Hey, comment ça va, messieurs, dames? Vous allez bien? Mais ça va super, moi! Ravi aujourd'hui de faire cette nouvelle vidéo pour Halloween, mes amis. Batterie faible, merde. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vais vous proposer dans la vidéo, hein? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Parle-moi toi. Vous l'avez vu dans le titre, il y a marqué les pires DIY d'Halloween. Enfin, j'en sais rien, je sais pas ce que je vais mettre dans le titre, mais en tout cas ça parle bien de DIY. Et qu'est-ce que c'est un DIY? Eh bien très simplement, tu vas sur Google Traduction, tu mets DIY, c'est marqué bricolage, bravo, bravo. Mais tu es fort, tu es très très fort. Je vais t'abonner maintenant. T'es abonné toi? Quel genre de dormir toi, tu vas voir. Vous avez compris, je suis avec un marteau parce que DIY rime avec marteau, absolument pas. Mais j'avais envie d'avoir un marteau dans les mains pour représenter la mère patrie. J'ai été évidemment sur cette chaîne incroyable, cette chaîne magique, cette chaîne vraiment hors du commun qui se nomme Troum Troum. Ah non mais on trouve des pépites sur Troum Troum. Et Troum Troum a la charmante idée pour l'occasion, pour Halloween, de mettre des vidéos sur comment s'en sortir en cas d'attaque de zombies. J'ai regardé ces vidéos et je me suis dit... Ah ouais... Ah c'est pas mal. Ah bah c'est sûr qu'on va survivre avec toi, hein. Oh. Ça c'est un peu ce que j'ai fait à Troum Troum la première fois que j'ai vu. Enfin c'est ce qui s'est passé dans ma tête surtout. Nous allons donc refaire les pires choses qu'on va voir essentiellement sur Troum Troum, voilà. Du coup ce qu'on va faire, on va regarder ensemble, chers amis, ces petites vidéos et les refaire direct. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo tout simplement parce qu'on va partir en crescendo. Du moins pire au pire, et même si ça se dit pas... Qu'est-ce qu'il y a les rageux là? Qu'est-ce qu'il y a? Dernière chose avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, à partager la vidéo. Merci Troum Troum. C'est parti, jingle DIY. Do it yourself. Ok, c'est parti pour l'extrait numéro 1. Vous allez voir, c'est du lourd. C'est incroyable. À chaque fois, je suis sur le choc tellement les idées sont incroyables. C'est parti. Fais attention à toi. Oh, c'était pas prévisible. Non. Non, ne me dis pas que c'est aussi simple. Là, comme ça, je suis pas transformé. Je survis, là. Ok. Ok, tu sais quoi? Je le refais. Je dois avouer que Troum Troum m'a mis sur le cul. Avec ça, on peut se protéger d'une éventuelle morsure au niveau du bras. C'est incroyable. Merci Troum Troum, je vous aime. Ok, c'est parti. Pour ce tuto simple, on aura besoin de ça. Ok, j'ai trouvé ça, ça. Et là, vous allez me dire, ok, petit test. Ouais, j'avoue, ça rentre pas, hein. Même en forçant, ça rentre pas. Franchement, Troum Troum, là, tu gagnes des points, là, Troum Troum. Félicitations. On va le mettre sur le bras. Mais eux, ils ont réussi à trouver des vieux magazines qui font carrément l'ensemble du bras. Mais j'ai pensé à tout. J'en ai pris deux. Le deuxième là, pour plus de sécurité. Perfect. Là, je peux vous dire que je suis paré pour la putain d'attaque de zombies. Hein. On continue la vidéo. Ok, c'est parti pour la suite là, je suis chaud, d'accord? Donc là, les zombies en fait. Il te chope les jambes, c'est ça, hein? Mais non, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ouais, ouais, ok, là je commence à comprendre. Je crois. D'accord, on fait des trous. J'ai pas ça chez moi, j'ai pas ça. D'accord, j'ai peut-être ça, des lacets de chaussures. Ah putain, génieux! Mais ils sont intelligents, Troum Troum, hein? Donc c'est parti pour faire ce crash test! Let's go! Ok, ok, là ils m'ont chauffé, J'ai réussi à avoir ça. Normalement, le compte est bon. On va commencer à se protéger grâce à Troum Troum. Merci Troum Troum dans les commentaires. Vous êtes vraiment incroyable, Troum Troum. Grâce à vous, je peux survivre à une éventuelle attaque de zombies et éviter de me faire mordre à ces parties-là parce qu'on sait bien que les zombies mordent à ces endroits-là. Alors, on commence à faire une petite incision ici. C'est dangereux, c'est très dangereux. Je vais me calmer. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, Troum Troum nous dit de faire un trou au milieu. Là, on a quelque chose. Là, on a quelque chose, c'est formidable. J'ai pas de truc à trou, donc je vais le faire moi-même. Voilà. On va le passer comme ceci. Voilà, on va essayer de le faire un peu comme des lacets. Je prends ici. Voilà. Théoriquement, celui-là, il passe là. Bon, déjà là, on a notre truc adaptable à toute taille de cheville, évidemment. Pour cette technique, il vous faut des mollets de fillettes, mon gars. Tu as 8 ans, tu peux faire ça, tu peux le faire ce tuto, tu as 8 ans. Voilà ce que ça protège. Rien du tout. Là, t'as pas d'être ça, Troum Troum. Non, absolument pas. Oh merde. Il fallait que tu fasses moins de bruit. Ah ouais, je vois le genre. Ok, ok. D'accord, donc avec des épaules. Ouais, mais qui ne l'avait pas pensé? Qui n'avait pas pensé ça? Merci Troum Troum! Vous êtes des génies, ma parole! Là, eux, c'est les spécialistes du pistolet à colle. Moi, je suis plutôt dans la spécialisation
D'accord, ok, on fait ça, je m'en bats les couilles. On fait ça tout de suite, let's go. Ok, c'est parti, il nous faut du carton. Hop, ça c'est fait. Avec ce carton ensuite, il faut prendre sa chaussure. Hop. Ça c'est stylé, ça c'est stylé. On va faire un petit peu comme ma pompe. Les finitions, on verra ça plus tard. Hop là. Là, ici, nous avons mon pied, d'accord? Notre cher Troum Troum nous a dit qu'il fallait des éponges. Et j'ai bien sûr des vieilles éponges. J'ai trois éponges qui peuvent faire parfaitement l'affaire ici. Ah, mais au pire, j'ai de la colle, moi. J'ai de la colle comme ça. Ça, croyez-moi, c'est la colle incroyable. Ok, let's go. Donc, je vais mettre en premier temps de la colle ici, comme ça. Colle est mise, voilà. Troum Troum est dans mes veines. On colle ici comme ça, voilà. Je vais mettre comme ça, ici, et j'en mets une deuxième comme ça. Tu tiens, tu dois tenir, de toute façon, tu es du DIY. Du DIY, ça marche à 100%, d'accord? Donc tu tiens, c'est bon. Là, on a notre chaussure, je peux vous dire, ergonomique. Parce qu'elle en a mis deux. Mais moi, grâce à ça, je peux me permettre de faire des choses comme ça. Eh oui, mes amis, c'est ergonomique. Moi, je fais mieux que Troum Troum, y'a quoi? Je vais couper ça. Et là, on colle comme ça. Ah, ça colle de partout! Voilà, là ok, on a quelque chose. Maintenant, après, on va faire le test, attendez. Ah, putain! J'ai pas fait assez grand, je suis dégoûté. Allez, dégage, trace... Oh non! Putain, là! Ma parole, tu vas coller, toi, hein, saloperie! Ok, on va essayer de voir si ça fait du bruit. Alors, c'est marrant parce que vous pouvez pas trop le ressentir, et même l'entendre, je pense, mais c'est complètement de la merde. C'est de la merde de ouf, ma parole! Même ma chaussure qui est juste ici, cette chaussure est plus discrète que ces éponges de merde! On peut regarder la suite, s'il vous plaît? Bonjour mes canaillous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. On va simplement mettre un gant et utiliser des baguettes chinoises. Attention, c'est pour tuer des zombies, pas pour vous. MDR, on va utiliser du Chatterton. Mais attention, il ne faut pas le coller sur la bouche, tu risquerais de te faire très mal. Vous prenez les baguettes chinoises et vous les positionnez délicatement sur le gant. Essayez de les faire tenir. Mince, ça a du mal. OMG, c'est difficile. Je vais peut-être essayer une nouvelle technique. Ah voilà, j'ai enfin fait marcher mon cerveau. Visiblement, mon Chatterton pue la merde. Mais bon, pas grave, nique sa mère. Ça y est, je crois que ça marche. C'est le moment de vérité. On va bientôt pouvoir tuer des zombies. Et même s'ils n'existent pas, tu pourras toujours tuer ton voisin comme il se doit. Mince, c'est pas ce que je voulais dire, OMG. Et voilà, tu es fin prêt pour tuer des gens, enfin des zombies. Super cool le tuto. Yes, abonne-toi, Joran. Allez, on se reconcentre. Là, ils vont nous proposer quelque chose de oufissime, je pense. Allez. Quoi? Mais c'est la chose la plus dangereuse qu'ils ont pu faire. Mais what? Mais t'as, vous avez pas osé. Mais avec des clous et des coups de marteau, mais c'est hyper dangereux. Mais c'est génial, fabuleuse idée, Troum Troum, vous êtes des champions. Ok, vous savez quoi? Pour ce dernier tuto, on va le faire. Et c'est parti pour le... Ouais, vous êtes bon, dernier tuto. Du coup, il nous faut une planche en bois de cette épaisseur-là, de préférence. Elle est beaucoup trop grande, donc on va la péter un peu. Je pense que ça ira. Oh, ma fifi, elle se l'a même pas réveillée. Elle est incroyable, celle-là. Ensuite, nous avons besoin du marteau, des clous maintenant. Voilà. Déjà, c'est dangereux. Voilà, c'est très dangereux. Ils sont rouillés, il y a certainement le tétanos. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends des risques pour vous, d'accord? Ah, bien, bonsoir, bienvenue pour ce tuto. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre morceau, histoire de donner de la sécurité pour éviter que la vis passe à travers. Ça veut pas! Bon, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va aller dans le jardin. Au pire, je vais vous emmener avec moi. On va arrêter l'enregistrement. Et là, vous êtes absolument avec le son de mon téléphone. On va pas y aller de main morte, mes gens. Voilà, ça c'est bien, c'est rentré direct. Là, là, on voit mieux là. Hop, ça c'est fait. Petit morceau de plancher commence à s'écarter. Ça a complètement pété, c'est génial. Donc avec ça, croyez-moi, on va tuer des zombies. Ah ouais, puis en plus, ça tient pas. Alors, nous avons ici... Ah putain, on a même gardé une petite feuille, voilà. Donc, on a l'arme ultime contre les zombies, évidemment. À moitié, je pense. Ah, mais c'est l'autre sens, hein, quel con. Voilà, je vais le mettre ici, comme ça. Là, je commence à avoir un truc qui tient la route, qui est correct. Là, ça part un peu en freestyle. Hein. Alors, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ma petite arme de self-défense, là, contre les zombies? J'ai tout d'être ça, y'a quoi, là, hein? Eh, Milou, tu veux m'attaquer? Comme si elle allait m'attaquer. J'ai ça au niveau de mon bras. Merci, Troum Troum. Grâce à vous, je vais certainement créer des accidents. Et aller en prison. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous avais dit, hein, on monte en crescendo. À la fin, on est sur des trucs un peu hardcore quand même, qui est très dangereux. Avec les magazines qui sont autour justement de vos membres, ça c'est efficace. Je vous avoue, si un jour il y a une attaque de zombies, ça c'est franchement efficace. Après le reste, je ne pense pas. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus, à mettre dans les commentaires la prochaine vidéo que vous auriez envie de voir. On est 25 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup. Gros bisous à vous et... Salut !